诗歌它是在我心里面跟我一起生长的一个东西。Et j'étais entouré seulement d'un univers sonore où j'ai perdu ma langue. أنني رجعت للمرة الثانية كسفير للجزائر لدى جمهورية الصين الشعبية. بيجين أكاد أعدها عاصمتي الثانية. Bien sûr, on peut se priver de poésie. Mais le poisson faucon n'apparaîtrait plus sur le petit îlot dans la rivière. La lune de la dynastie Qing ne brillerait plus sur la frontière Han. La sœur d'azur du printemps ne soufflerait plus son clairon sur la terre des rêves. L'été éternel se fanerait en un clin d'œil. Les nuages ne comprendraient plus l'esprit vagabond des voyageurs. Et la mousse n'aurait plus besoin d'atteindre nos lèvres pour couvrir nos noms. Comment nos cœurs pourraient-ils chevaucher les fines vagues pour venir l'un vers l'autre ? Venir de mille montagnes et retourner dans les mille montagnes. Retourner fait aussi partie de la vie. Passant par ces sentiers anciens, j'ai l'impression de me souvenir d'un poème oublié. En entrant de nouveau dans cette cour-là, des volées d'oiseaux d'apparence familière voltigent dans le ciel. Sans être parti, il n'est pas question de revenir. رجعت للمرة الثانية كسفير للجزائر لدى جمهورية الصين الشعبية. سعادة أولاً اللقاء بعديد الأصدقاء الصينيين، وثانياً سعادة عودتي إلى هذا البلد الجميل الذي أعتبره يعني بلدي الثاني، وشعرت يعني بتشريف خاص لما لها من جمال ولما تتوفر عليه من مرافق جد متطورة وكذا من تراث يعني ثقافي وحضاري جميل يكاد لا يضاهى. بيجين أكاد أعدها عاصمتي الثانية، وفي اللغة العربية بالإمكان الرجوع إلى الأصل فضيلة. يعني دائما عندما يرجع أي منا الناس إلى المكان الأصلي فتمت فضائل كبيرة. Qui règne sur tous les hommes et les femmes. Les Grecs l'appelaient Eros, l'amour. Moi, je suis tombé aussi sous l'effet de cette force. J'ai rencontré à 17 ans une jeune fille suédoise. Je suis tombé amoureux et j'ai quitté mon pays, l'Italie, et je suis allé vivre avec elle en Norvège. Pour moi, c'était une grande aventure, cette histoire d'amour. C'était une situation particulière. Je ne connaissais pas d'autres langues et j'étais entouré seulement d'un univers sonore.
où j'ai perdu ma langue. Et perdre la langue, c'est en partie perdre aussi. C'est, je pense, l'expérience la plus dure de l'émigration, ses propres racines, la discrimination parce que j'étais italien. Donc, cette espèce de discrimination envers moi m'a poussé à chercher une solution de comment cacher. On pourrait se mettre un masque. Et ce masque symbolique était le fait d'être ou de devenir un artiste. Et la seule voie que j'ai vue, c'était celle du théâtre. À ce temps-là, j'étais profondément communiste et j'ai décidé d'aller étudier dans un pays communiste. Donc, je suis allé en Pologne. Et là aussi, j'ai revécu la même expérience de la stupidité. Car je suis arrivé en Pologne et je ne parlais pas de polonais. Je devais étudier à l'école théâtrale. Donc, ça aussi a été une période où le théâtre m'a immergé dans une situation d'incapacité à comprendre ce qui s'est passé autour de moi. Mais en même temps, m'a aiguisé toute la perception de ce que font les autres, la manière comment toi tu es assise maintenant, les mains. Quelles ne sont pas la signification des mots qui décident, mais toute une autre forme sensorielle d'être présent qui décide ce que nous ressentons quand on parle avec une autre personne. Et c'était justement force émotionnelle de la sonorité, du chant, ou alors le dynamisme de la gestique, la manière comment on bouge. Et c'est là qu'est devenue la base de mon théâtre. Quand j'ai quitté la Pologne et je suis retourné en Norvège, je n'ai pas trouvé de travail traditionnel. Alors j'ai regroupé des jeunes qui avaient été refusés à l'école théâtrale et j'ai créé un théâtre amateur. La chose la plus intéressante, c'est qu'après 2 ans, ce petit groupe de personnes a décidé d'émigrer au Danemark, de perdre sa langue, la langue en commun avec ses spectateurs, et d'habiter dans une petite ville de province qui lui avait offert une ferme pour faire du théâtre. Je me suis rendu compte, en me basant sur mes expériences d'émigrants, que la véritable communication n'est pas seulement donnée par la signification des mots, mais aussi par la manière comment ils sont dits. Je suis venu à la ville de Rouli. Je suis venu par exemple à la ville de Rouli. Je suis venu à la ville de Rouli. Je suis venu à la ville de Rouli. Je suis venu à la ville de Rouli.
J'ai construit quelque chose qui s'appelle théâtre laboratoire. C'était un pionnier, cette expression. Dès le 1969, la première fois que je suis arrivé, naturellement, j'étais ébloui et surtout un peu presque gêné. Je ne comprenais pas pourquoi mon spectacle avait été choisi pour ce Festival des Nations. Ça a eu du succès, c'est-à-dire j'ai été bien accueilli et de là commence, dirais-je, la carrière internationale de l'ODM. Quand j'ai fondé une école internationale d'anthropologie théâtrale, il y avait des maîtres de différentes traditions théâtrales, il y avait aussi des maîtres chinois. Moi, quand j'ai quitté l'Italie, le premier choc que j'ai eu, c'était la beauté, la richesse de la littérature norvégienne, par exemple. Et ensuite, la découverte des philosophies de l'Inde. Et ensuite, la Chine, avec ses poètes. Et chaque culture m'a donné comme la possibilité de déplacer mon horizon. On peut nous enlever tout, moins une chose, nos valeurs. Et nous devons nous préparer à ce futur avec ce qu'on ne peut pas nous enlever, nos valeurs. Et les jardins que personne ne peut nous enlever, ce sont justement les valeurs. Qui. Era Torger che ha fondato il teatro nel 64 insieme a me, è norvegese, è venuto anche lui qui a Ossebro nel 66, nel 2010 è morto di un cancro. Alcuni di noi, ad ogni modo, saranno seppelliti. La maggior parte della gente d'ordine è gente che ha lasciato lingua, famiglia, patria. Quindi è giusto che abbiano un posto dove diventare o ritornare all'origine. Un ami en Norvège, dans les années 50, me donna une anthologie de poésie chinoise. Il est bien gêné parce qu'il est ivrogne, il aime les femmes, parce qu'il est mort d'une manière très, très légendaire. Et ensuite, comme je fais souvent dans ma vie, quand je dois choisir, j'ouvre par hasard, bon, il est apparu ce poème. Devant le vin, je n'ai pas vu le soir descendre. Des pétales tombés couvrent ma robe. Ivre, je me lève et marche avec la lune de la rivière. Les oiseaux sont rentrés, les hommes aussi se font rares. Divertissement. Le cœur fond avec le paysage et l'esprit s'en va avec l'objet. Fleuve et mer seront des refuges pour le reste de ma vie. Mais au fond de moi-même, tout est clair depuis belle lurette. Pourquoi viens-tu ici? Et où retourneras-tu ?
Tout ce qui a été perdu ne manquera pas de revenir sous une autre forme.三层重庆，1937年，有点太旧。你乘一艘船顺江而上，你没有到达这儿，那时我还未出生。三层重庆，已将春水向东流。1953年，还是有点旧。一件邦德间迷彩风的大衣。 穿在一个英国女子的身上，边上一个中国保姆怀里的你在看海，整个香港蒙了一层雾。英国女子生了13个孩子，只活了你和弟弟，还随你有只大船往江里驶来。 你说你很喜欢博尔赫斯，对吧？博尔赫斯对你有什么影响？我认为博尔赫斯、马尔克斯还有艾米丽·狄金森这些人的诗歌最足迹我灵魂深处的是把自身的命运和他身处的这个时代融为一体，说别人不敢说的话，写别人不敢写的词。 词语它就像刀一样的，它也像火一样的，它会凝结出一种力量，它会穿透时间。诗歌它就是一颗心，在那里照耀，像启明星一样。对，1962年真有点旧，三层江边破烂的吊脚楼，一个女孩。 昼夜不停地哭叫，与江水的呼吸融合。母亲抱女孩看江上，有艘大船从下游驶来。你在船里，女孩偏过脸来注视我。就是你后期的很多书都是写给色某的。对，因为他到了我的生命当中来了。 他一说就是妈妈，你要陪伴我200岁。我说这怎么可能？但是我可以用别的东西陪伴你，书啊是最好的东西，因为我认为一个人的精神陪伴你是比他的身体陪伴你要有价值的多。这个诗集我是要送给你，因为这个里面都是因你而起。 诗歌，它是在我心里面跟我一起生长的一个东西。它好像是我对这个世界表达的一个方式，我对文学的理解，还有我对命运的理解，我对这个世界的理解。比如说，我经常会看见一些空白的地方。 比如说，空白的江上，一艘船也没有，或者是一个空的房间，一个空的街道，我会有无尽的想象，我会觉得我的心好痛，我就觉得我有好多话要对人说，不管这个人是一只鸟，还是真正的人。 对于我来说，只要它是一个生命，我就可以跟它倾诉。我认为这个诗意，它就是有美的时候，或者是说你心里面一动的时候，或者是你有眼泪在你的眼睛的时候，当你被感动、被激愤、痛苦的时候，诗它就跑到了你的生命当中。 2020年，一点也不旧。每座城是孤独的迷宫。我坐在书桌前，数遇或死或乱时期的爱情。
用一个人抹去另一个人的存在，或是记起他，尤其是他的善良或正义。山城重庆，一江春水静静向东流。你平时在北京的时候经常来这条路？对，我们就是走得特别快，一直走到这边七棵树那边，大概走5公里吧。那2020年你在英国的时候会想念这条河啊？对，特别想这一条河，因为这条河上春天的时候全都是樱花，特别漂亮。虽然是冬天了，但是也很有一种凋落的美。你在英国的时候，我看你写的那本诗集里面就会经常会怀念你家乡的长江、嘉陵江，好像河水对你有着一种很特别的意义。对，因为我就是长在长江边的，我一直都是一个图片思维的，就是我一般在江上看船进来，我是不动的，我是让船进入我的视线然后再离开。所以就是有一天我这么看的时候，我爸爸告诉我，他说他也是这样看的。我只要是回到重庆，我一听见这个江水的声音，那个喘息，然后听见这个江上那些船有时候会鸣笛，我就觉得好像又回到了小时候。我认为江水它是穿越这个时间的，穿越我们的记忆的。所以其实你在英国的时候看到泰晤士河，也会联想到嘉陵江、江江或重庆，这看到水就是让你会想到，就是一种故乡的牵引。对，这说来也挺有意思哈、啊。我就发现你的很多的作品里面写的不同的城市，你看有武汉，有上海，包括《月光武士》，你才回到了重庆，也涉及到很多的江河，有汉江、黄浦江，甚至还有恒河。其实你最终写的到底是什么？你心里最想表达的是什么？就像马可波罗，他是一个旅行家，他到过很多很多地方，世界上他见到了中国的皇帝忽必烈，他就问他关于这些城市的经历，最后他说你为什么没讲你的家乡威尼斯呢？他说其实我讲的所有的城市都是在向你讲述威尼斯，因为在我心中它最重要，我也害怕它一天天的会消失掉。我也有很多写的是纽约、布拉格、伦敦，也写了上海，还有武汉，还有恒河、印度，世界上很多地方，但是我都是为了再来印证重庆。重庆它好像就长在我心里的，它就像我创造出来的一个重庆。من أهم الشعراء الذين أعيرهم في الجزائر يعني تقديرا خاص هو الشاعر مفدي زكريا، لأنه هو أولا شاعر الثورة الجزائرية، وهو من عظماء ومن فطاحل الشعر العربي. هناك رمزية الرجوع إلى ذلك التاريخ الذي تم فيه رفع العلم الجزائري لأول مرة بصفة رسمية هنا في الصين، وكذلك لأول مرة تم سماع بصفة رسمية، ولذلك هناك عودة تحمل رمزية جميلة، وهي رمزية من أسس العلاقة الجميلة والعلاقة الودية والعلاقة الأخوية والعلاقة القوية والتاريخية للصين والجزائر. ق
قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن طرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. Les feuilles tombées se rassemblent, puis se dispersent. Les corbeaux d'hiver perchent, mais sont surpris de nouveau. S'en aller, personne ne peut y échapper. Le point d'origine est proche, mais éloigné aussi, tel le rayon d'une étoile venue de l'horizon qui a fait un long voyage. Avant d'arriver, il lui a fallu de nombreuses années-lumière. Le visiteur voyage à mille lieues, mais au bruit d'une ramille de saule cassée, il se souvient aussitôt de sa terre ancestrale et il revient couvert de pétales et du parfum du prunier de montagne. L'histoire est ainsi plus attrayante. S'en aller, c'est bien pour revenir. Mon âge perle de l'Afrique, elle est sublime, c'est une bénédiction divine. Tamo daleko, daleko od mora, tamo je selo moje. طامو السربيه ما كنت اعلم قبل يوم فراقنا ان الفراق مفتت الاكباد بو ان يو هن هو شي تشان شان بي شي يوان 人生代代无穷已 江月年年至相似 Many generations have come and passed away from year to year the moons look alike old and new أيها الراكب الميمم أرضي أقري من بعض السلام لبعضي Dew turns into frost since tonight the moon viewed at home is more bright 窗前明月光一树地上霜 举头望明月低头思故乡